evening, people of all nations, with Justin and Yasmina. Welcome to our talk show, Four Nations, One Union. Today we will talk with four students about the regions they live in. These are regions that are not very well known, but there are still many things they can be proud of. All of them are in Europe. The countries are Spain, Sweden, Germany, and France. So here comes Spain. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Bien. And this is Sweden. Hey, allihopa. Hey. Anna. And this is France. Bonjour tout le monde. Bonjour. Last but not least, this is Germany. Hello, Yasmin. Hello. Hello. Nice to meet you all. How was your arrival? Bien. Ça va bien? Super. Es va gut. We have some more questions. Germany, you live really close to the sea. Does it influence your life? Ja, es beeinflusst mich sehr. Zum Beispiel im Sommer verbringen wir sehr viel Zeit mit unseren Freunden am Strand. Das Meer ist das, worauf ich am meisten stolz bin. Hier, ich möchte euch ein kleines Video zeigen. What a great video. Jag såg några jättevackra stränder I video. Har ni inte massor med vackra stränder I Spanien? No, en Navarra no tenemos playa, pero tenemos un festival del que estamos muy orgullosos. Se llama Virgen de la Paz. Es una festividad tanto local como religiosa en la que vamos blancas y pañuelo rojo. Ahora vamos a ver un pequeño video. Our patron saint festival lasts for 7 days. The most important days are 7, 8, 12 and 13. The patron saint festivals start the 7th of September at the midday. 8th of September is the Virgin's Day, the most important. During the mass, sweets and traditional bracelets are given. La Populacha is celebrated the 12th of September. Many groups of friends have lunch together in the street. The Bullring is an emblematic building that this year celebrated the 50th anniversary.
Our local football club is called Athletic Club Tribonero. In the last years, Tribonero has played 3 promotion phases and 1 King's Cup. This is the football field San Juan. Gastronomy is very important. We have a festival dedicated to it. La Gastronomía takes place the first weekend in October. In this festival, artisans sell cheese, sweets or wine. A cow is roasted to be eaten the next day. Important products of Tribonero are olive oil and wine. Important wineries are Julián Chivite and Bodega Tribonera. This was really interesting. Friends, we heard about an industry named Clairefontaine. Can you explain what this is? C'est une usine de papier et de cahier qui se situe en France, à Clairefontaine. Cette usine est connue dans le monde entier. C'est la fierté de ma région, présentée en vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Florian Claude, je suis en classe de 3e. Je fais partie du projet Erasmus+. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Vosges, qui est un massif montagneux qui se situe à l'est de la France. Il y a beaucoup de sentiers pédestres pour marcher, comme le sentier des passeurs. On sait qu'il y a des passeurs qui ont emmené des Juifs, des Tziganes vers d'autres pays neutres. Donc je me présente, je m'appelle Juliette Mer, je suis en classe de 3e 2 et je vais vous présenter le collège. Donc, le collège où nous sommes, c'est le collège André Malraux de Senone, dans la vallée du Rabodeau. Il est classé comme l'un des plus beaux collèges de France. Nous sommes dans la galerie d'art Coucou Palace du collège. Dans le collège, nous faisons beaucoup de sorties, comme une sortie au camp de concentration du Struthof, où il y a eu donc, des déportés durant les deux guerres mondiales. Nous faisons aussi des EPI comme l'EPI Flamenco, où il y a eu une soirée d'organiser avec des dégustations, des danseurs et des chanteurs. Bonjour, je me présente, je m'appelle Victor Détrier, j'étudie au collège André Malraux de Senone. Dans les Vosges, nous avons beaucoup de grandes industries comme l'industrie Clairefontaine qui fabrique beaucoup de cahiers, du papier. Nous avons aussi la scierie Siat qui est l'une des plus grosses scieries d'Europe. Le linge Garnier Thiébaut et le linge Jacquard français et l'in Vosges qui est à Gérardmer. Bonjour, je m'appelle Maëlie, je suis en classe de 3e. Dans les Vosges, on a des entreprises de chocolat comme Thiel ou Karl. On a aussi la confiserie des Hauts-de-Vosges qui se trouve à Plainfin. On a beaucoup de spécialités comme la quiche lorraine, le pâté lorrain ou la salade vosgienne. Qui est composée de lard avec des œufs et de la salade. Voilà pour la présentation des Vosges. Des Vosges, voilà. Le paysage il est magnifique. Oui, surtout en hiver. Oui, en hiver avec la neige. Quand on regarde les massifs, c'est... On le voit souvent, nous, ici, mais ceux qui viennent, les touristes, quand ils voient ça, ils sont joyeux, ils disent que c'est magnifique. The Clairefontaine industry was very well, but I hear you were humming an ABBA song, Sweden. Are you proud of this industry? Ja, jag är jättestolt över den här industrin. Men någonting jag är ännu mer stolt över är naturen och allemansrätten.
Lors de ma vie, ça va mettre une vidéo. That looks like a lot of fun. I've actually never been camping. We learn a lot of new interesting things. I really want to see all of these places. The videos are quite different, but every one of you is proud of something special in your region, right? For example, the sea, the nature, the industry, or the local festivals. However, you all have in common that you want to share this pride with the world, which makes us one union. But how is it possible to form this union and communicate with each other? What is the key to be successful? We are impatient to find the answer in our next show. Stay fresh and tuning.